Américains. C'est de la bonne soupe de légumes. Hein. La carte de riz. Merci Macron, on est là. On soutient et puis de toute façon chez nous la colère elle est pas passée. L'organisation n'a pas été écoutée et on voit bien les gens ils sont contents qu'on soit là. Donc il y avait une attente par rapport au fait que les gilets jaunes ressortent 17, même si on était lucide sur le fait que ce ne serait pas un 17 bis. Il y a besoin de visibilité. Je crois que quelque part on rassure les gens, ceux qui ne nous détestent pas, qui comprennent le message qu'on porte. Ils sont rassurés de voir qu'on est encore là et qu'on lâche rien. Et que, enfin, voilà, il y a une urgence sociale et tant que climatique qui fait qu'il faut agir rapidement. Et l'essentiel de la population est d'accord avec ça. Et du coup, les gens sont contents de voir qu'il y a des mobilisations, qu'il y a des gens qui sont déterrés parce qu'on est au niveau d'urgence qu'il y a en fait. Hein, c'est juste ça. Juste avant que vous arriviez, on parlait du côté vivant du mouvement. Ah, et du fait que vous avez d'un côté ceux qui vous soutiennent, et moi je suis là depuis. Voilà, comme je disais, depuis pas longtemps, j'entends les klaxons, et puis d'un autre, vous êtes aussi confronté à la violence de ceux qui ne vous soutiennent pas. Alors en fait, il y a des personnes qui n'écoutent que les médias sous les ordres d'État, donc forcément ça pose problème. Ce qui n'est pas le cas avec les médias régionaux qui sont beaucoup plus en contact avec la population, souvent plus honnêtes par rapport au rendu de la situation des jeunes. On ne parle pas de nos passés, etc. Et puis il y a tous ces médias qui ont donné une image très négative de casseurs, de personnes qui étaient là juste pour casser, qui n'avaient rien à remonter. Je vais repasser.
Alors, plusieurs techniques. Ouais, c'est bon, ça va pas bouger. Plusieurs techniques, est-ce qu'on les met soit bout à bout? Ouais, sinon, à droite. Il a accepté aucun gilet jaune, il n'y avait que les maires ou les gens qui étaient assez aisés qui y allaient, mais le peuple comme nous, la classe moyenne et le peuple d'en bas, rien du tout. Rien du tout. La preuve, c'est qu'ils n'ont rien compris, ils nous baissent les APL, Là, les heures de nuit vont être payées à partir de minuit maintenant, c'est une honte. Moi, je travaille de nuit. C'est pour ça qu'ils veulent nous donner. Et ces messieurs, les députés, ils augmentent leur allocation de logement de 300 euros. Ils n'ont pas assez de sous hein, pour payer un logement. Faut exagérer quand même. Les étudiants aussi. Les étudiants, ils sont obligés d'aller manger dans les épiceries solidaires. Les retraités. On s'occupe plus des livres de M. Hollande qui ont été déchirés, de la cuillère qui a été défoncée, que ce jeune qui s'est immolé. C'est honteux. Le jeune qui s'est immolé. C'est honteux. Attention, Thierry. C'est honteux. Moi, j'en ai pas vu la couleur. Moi, j'ai rien vu du tout. J'ai une petite retraite de 630 euros par mois et je paye la CSG. Est-ce qu'on est en tout? C'est pas normal? Taxi est là, le pouvoir d'achat n'y est pas, et les salaires ça suit pas, et l'euro il a augmenté les prix de 7 fois plus, et les payes n'augmentent pas depuis 30 ans. Le carburant, le tabac, tout augmente. Mais là, l'électricité. Ouais, mais les gens, ils ont le droit d'avoir un plaisir quand même. Hein. Je suis désolé. Oui, mais vous voyez, je peux rester au chaud avec mon journal. Mais non. Parce que j'estime que il y a une marge. Bah oui, on a le droit de se faire plaisir. Je suis d'accord avec toi. Dernièrement, vous étiez mobilisé aussi. Ah oui, j'étais là. Bon, là, je reviens pour l'anniversaire. Je suis revenu pour l'anniversaire parce que, faut pas croire, mon vote sera sûrement contre ce gouvernement. Je ne vais pas voter un gouvernement qui ne fait rien pour le. C'est surtout, moi je suis de la classe moyenne, vous voyez la classe moyenne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les bas, les salaires, mais moi je suis de la classe moyenne. Je n'ai jamais été aussi imposé que. Ça fait que. C'est pour ça que je suis là aussi, parce que nous la classe moyenne, je ne vais pas vous dire, je veux bien payer pour les pauvres, mais on paye aussi pour les riches. On est super imposé. On y arrive. Moi, j'arrive plus. Pourtant, disons, j'ai pas un salaire. J'ai un salaire de retraite qui est pas mauvais. Hein. Mais voilà. Quand vous avez vos gamins qui vous disent papa, quand il vient, mon gamin dit j'ai faim. Ça veut dire que j'y fasse un panier garni. J'ai toujours dit à mes enfants, il y aura toujours une assiette devant la porte. Francine Léchard, Marine Le Pen, c'est parfait. Marine Le Pen, pour l'instant, on peut. Pas pour les gens de Macron, pour le moment, il est pire que les extrêmes. C'est bien fait. J'ai jamais vu ça dans un pays pareil. Avec une convergence comme du prix du carburant, ça c'est.
c'est vrai que c'était qu'il y avait rassemblement des gens extrêmement différents, mais très vite, chacun est venu avec sa colère en plus, quoi, et son histoire. Les gens m'ont demandé c'est quoi. Et du coup, les gens quelque part avaient honte de ne gagner que de 1 000 euros en moins, 1 000 euros par mois. C'est quelqu'un de vous qui l'aide, c'est devenu aussi des pleurs, des colères. C'est-à-dire que ma pauvreté que je cache, et mon isolement, l'isolement et la solitude que je subis, ça devient un étendard, et ce rond-point devant le lieu, devient le lieu où j'exprime ma fierté finalement. Ben ouais, des problèmes, je vais acheter le travailleur, c'est bien, la fierté du travailleur, les prolos, quoi, la fierté des prolos. Et les prolos qui peut-être n'étaient pas plus loin dans les syndicats, dans des gros entreprises, les syndicats qui peuvent défendre leurs intérêts, des chômeurs, des précaires qui ne sont pas trop non plus dans les différentes organisations, des gens très très isolés, qui ont retrouvé chacun avec sa problématique, sa raison d'être, sa colère. Et si je dis qu'aujourd'hui, une année après, on a drôlement réfléchi, on a drôlement évolué à partir de nos histoires individuelles, on a mûri énormément sur le plan revendicatif, et on peut être drôlement fier de ce que l'on avance comme revendication, à savoir, il n'y a absolument pas de contradiction entre moteur de départ et quand même on n'y arrive pas, la fin FAIM du mois n'est pas du tout contradictoire, mais bien au contraire, est complémentaire avec le fait de lutter contre la fin du monde. Le mythe du discours officiel actuellement en cours sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est quoi, vous n'avez pas disparu, vous n'avez pas arrêté? Il faut mettre un plus grand là. Alors, le gouvernement, excusez-moi de vous le dire, une bonne partie des médias essaient de vous invisibiliser, ça nous perd. Mais nous qui vivons à l'intérieur, non, le mouvement n'a pas disparu. Le mouvement évolue, c'est un mouvement vivant, qui change, qui mature. Mais le mouvement est toujours là. La colère, de toute façon, elle est toujours là. Les causes de mécontentement, elles sont toujours là. Ça, c'est sûr, mais il y a quand même moins de monde là. Oui, alors, qu'il y a un an. Oui, alors, il y a moins de monde parce que effectivement, il y a une mesure. L'avocat du diable. Hein, mais... Oui, non, mais complètement. Mais il y a moins de monde pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, il y a une mesure. Il y a une mesure des gens. Il ne faut pas se mobiliser comme ça. Enfin, c'est très, très compliqué au quotidien de se mobiliser comme ça. Et il y a aussi faut monter plus là, parce que si les deux. Vis-à-vis de la répression auquel on a dû faire face, il y a des gens qui n'aiment plus parce qu'ils ont peur. Oui, ça, c'est dire, clairement, il y a des gens qui ont quitté le mouvement, qui ne viennent plus aux manifestations, qui ne viennent plus sur, pour la deuxième vie, sur les lieux de mouvement, parce qu'ils ont peur entre eux. Et là, pardon. Et là, cet abri, c'est un peu leur dire, vous êtes de nouveau. Il y a aussi ça, voilà, tout ça. Il y a aussi un côté abri de paix, etc. Quoi. Donc, c'est aussi, ça fait partie de la symbolique de cette cabane, quoi. Mais oui, on est moins parce qu'il y a une partie non négligeable des gens qu'on. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été sur une des manifs gilets jaunes à Paris, qu'on voyait des gens éborgnés à 5 mètres debout, que vous entendez les LBD vous siffler aux oreilles, etc. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent plus. Vivre quoi. Hein, il est où tombé Et je trouve ça grave parce que un gouvernement qui se prétend démocratique et qui demande de faire l'ordre que par la violence et par dissuadant les gens par la violence de ne pas venir manifester, je trouve ça, ça me pose un vrai problème quoi. Est-ce qu'il y a un objectif aussi derrière cette cabane, c'est de. Est-ce que vous espérez encore plus de monde, le retour de. Oui, enfin. Oui, bon. De personnes qui étaient mobilisées. Disons, là c'est particulier, c'est la date anniversaire, donc il y a un côté quasiment affectif par rapport à cette date. Mais oui, on essaye par cette petite démonstration de présence de remobiliser des gens, de faire. Et de toute façon, c'est le cas. Il y a des gens qui sont ici là pour l'anniversaire, qui n'étaient pas venus depuis des mois, quoi. Et puis il y a tout un travail de convergence par rapport à la grève du 5 décembre. Le mouvement des Gilets jaunes se joint et appelle à la convergence avec ce mouvement. Parce que cette dictature néolibérale du gouvernement, c'est pas possible. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. D'une manière ou d'une autre. Alors par la grève, par le blocage des ronds-points, après. Attends, là, vous bloquez pas. Non, parce qu'on a toujours été très clairement prévenu par les forces de l'ordre que si on bloque, ils nous dégagent. Voilà. Et la cabane, ça ne vous ferait pas problème? On n'aura pas demandé l'avis. On verra.
Trop vermoulu. Juste pour que Allez, allez.
parce que là, on est nous en fait, c'est qui, il n'y a que là qui Excusez-moi, alors j'ai un grappeur. Et si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Gilets jaunes, quel est votre métier? Bonjour à quand même en revenant. J'aurais dû enlever la mèche. Mais non, ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Faut la laisser fondre. Faut la laisser fondre. Tiens, tu vois, elle commence à couler. Ouais, elle est pas assez... Après, quand elle coule, tu... tiens, faut la laisser fondre. Comme ça, ah, oui, comme ça. Ah oui, elle fond. Et après, je colle. Comme ça, après, tu colles je là. Je colle, allez, ok. Attends, je vais colle. Gilet jaune. Yeah!
comme tout à l'heure. Tu brûles là, tu me fais Thierry, des feux. Ça va? Ça va Thierry? Il est vraiment bon. Je suis en train de tout sortir de mon sac pour trouver le sac bleu, je l'ai dans le dos. Ça, c'est que ça commence à faire.